Prise 1. Salut les chums, ici c'est Ja avec les restants de Noël. Étant donné que notre calendrier de l'avant sur le monde secret du Père Noël nous a tiré beaucoup de jus à moi puis Marie, je pensais pas faire une autre vidéo pour le temps des fêtes. Mais après j'ai réalisé que si je faisais pas au moins un compte pour tous cette année, ça me forçait à étirer cette série-là pour au moins deux ans. Alors en ce 10 janvier 2023, j'ai décidé de vous faire mon analyse de bac et bottine. Mieux vaut vaut ta... mieux vaut vaut mieux mieux tard que jamais Suite au succès de La Guerre des Tuques, André Melançon récidive deux ans plus tard avec un autre conte pour tous. Bac et Bottine est un petit film simple, mais extrêmement touchant, qui est devenu sans aucun doute un grand classique du cinéma québécois en partie grâce à la performance si attachante d'une jeune maille paiement à ses débuts. C'est pas facile de trouver des points à relever dans un aussi beau film, mais gardez toujours en tête que je fais ça en tout respect pour l'oeuvre, et c'est surtout pour le plaisir de voir ça d'un point de vue humoristique. Selon l'internet aussi, ça dit que c'est inspiré du roman de Bernadette Renaud, qui a aussi co-écrit le scénario du film, mais selon ce que j'ai compris, c'est comme si le scénario du film puis le livre avait été fait vraiment en même temps. J'ai acheté le livre juste pour vous, par souci d'intégrité et dans le but de faire vraiment un portrait global de l'œuvre. C'est exactement la même maudite affaire. J'ai appris pratiquement fuck-all dans le livre. Pour certaines scènes, on réussit peut-être à nous décrire mieux l'intention des personnages, mais ça s'arrête pas mal là. Comme probablement pour une majeure partie d'entre vous, Back et Bottine, c'est un film que j'ai vraiment vu souvent étant kid. Je l'avais sur une cassette VHS enregistrée que j'ai usée à cordes. Puis, même si ça passe à chaque année à Ciné dans ma tête, ça se passait pas tant que ça à Noël. Mais finalement, je pense qu'on peut dire que c'est quand même assez noëlé ce film-là. Shout out à Noël chez Isidore. Mais bon, regardez, dites-vous qu'on est comme dans la période lourde post-jour de l'an. On est encore en vacances, mais on est complètement drainé par nos parties de famille, puis on appréhende le retour à l'école avec dégoût. Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'on se lance. Fait que, pognez-vous l'organe pour une boîte de Kleenex, parce qu'on va broyer une shot, moi, je vous le garantis. Le film commence déjà assez rough avec Fanny qui nous raconte qu'elle a perdu ses parents dans un accident de char. Au début, j'ai eu beaucoup de peine. Maintenant, je suis moins triste. On voit alors un rêve capoté qu'elle fait souvent où ses parents viennent la voir à cheval dans une tempête de neige. Hey, je le connais ce rêve-là. Moi aussi, je rêve tout le temps à ça. Soudainement, le cheval se transforme en piano. Fanny vit maintenant avec sa grand-mère, mais plus pour longtemps, car sa grand-mère est atteinte d'une maladie imaginaire qui sert à faire avancer l'histoire d'un film. grand oh, hein? tu sais quand tu vas guérir là, on va pouvoir continuer de vivre ensemble. Hein? La grand-mère décide d'emmener Fanny vivre chez son oncle, un certain Jean-Claude. Malgré le fait qu'elle a eu aucune réponse de sa part et que pour l'instant, le projet de déménagement semble à sens unique. Il aurait quand même pu répondre à ta lettre. Il doit être pris par son travail. Tu vas bien t'entendre avec lui, tu vas voir. Comment tu peux dire ça? On s'est jamais vu. Il t'a connu bébé, puis je le connais Jean-Claude. Je suis sûr qu'il va être content de te voir. Ben oui, mais de la voir peut-être, mais de là à l'héberger... On se transporte ensuite dans un parti de bureau où on rencontre Jean-Claude. Et le film nous démontre déjà assez bien à quel point il est à l'aise avec les enfants. Martin, franchement, tu pourrais t'excuser Martin, excuse-toi d'avoir donné un coup de tête d'un chenol à Jean-Claude. Mes amis, mes amis, je voudrais profiter de l'occasion. Elle, elle en est pas à son premier mousseur, je pense. On apprend que Jean-Claude prend une année sabbatique pour se consacrer à sa musique et participer à un concours d'orgue. Toutes les meilleures chances au monde pour ton concours de piano. C'est un concours d'orgue. Pour ton concours d'orgue. C'est hot les orgues, c'est quoi son problème à lui? Ses collègues lui offrent un cadeau donné par les deux petits smarts, un beau kimono avec un dragon dans le dos. Les deux enfants semblent pas trouver ça bien cool comme cadeau. Je comprends qu'il auraient sûrement préféré des jouets tendance de 1986, genre des poupées Bouchou, des figurines de Iman. Ou bien l'inoubliable série animée Centurion? Mais pour un vieux garçon de 40 ans qui tripe sur les concours d'orgue, c'est l'idéal? C'est là qu'une certaine Bérénice arrive avec son cadeau personnalisé à thématique piano et lui donne un buste de John McGale. Jean-Sébastien Bach. Pardon, Jean-Sébastien Bach. Jean-Claude revient chez lui chaud comme un curé puis fout la chienne à ses voisins tellement il est de bonne humeur. Allez, mon ah oh ben, il y avait déjà un bus de bac. Beau cadeau de marde, Bérénice. Le party se poursuit pour tout le voisinage alors que Jean-Claude célèbre son début de sabbatique avec sa muse dans le tapis puis enfile son nouveau kimono. Pour vrai, je veux l'aider vraiment beaucoup à Jean-Claude. Lâcher une job de bureau pour se consacrer à sa passion puis célébrer en se pavanant en robe de chambre dans son appart plein de posters puis de vinyle. C'est gênant tellement qu'on dirait qu'ils ont filmé ça chez nous. Le lendemain, Fanny et sa grand-mère arrivent à Québec en train. Reste tranquille, bottine. Ça fait quand même longtemps que j'avais pas vu le film. quand j'ai vu la sacoche en moufette sur les genoux de Fanny dans cette scène-là, je me suis sérieusement demandé si bottine serait fake tout le long. J'étais comme ça se peut-tu que mon enfance, je la voyais comme une vraie moufette, mais au fond, c'est un toutou. Fanny joue avec un Rubik's Cube avec des photos de ses parents ainsi que Pierre-Yvroy des Marais. Elle se présente à l'adresse supposée de Jean-Claude, mais finalement, c'est une mauvaise actrice qui habite là. Oui, c'est bien chez M. Parentot. Non, c'est pas ici. Jean-Claude n'habite plus à cet appartement, ce qui explique pourquoi la lettre ne s'est jamais rendue. Vous auriez peut-être pas dû descendre en train jusqu'à Québec sans avoir une confirmation quelconque. D'un coup, Jean-Claude serait devenu claviériste pour Yes puis parti en tournée à travers l'Europe. <music> Je vous préviens, ce ne sera pas ma seule blague sur le rock progressif à travers cette vidéo. Pendant le déjeuner, Fanny se fait croiser par un jeune dégueulasse du nom de Philippe Emmanuel. On sait son nom parce que tout le long de la scène, sa mère, qui est jouée par Pierrette Robitaille, le sermonne et on entend clairement tous ses mauvais coups. On a fallu que tu fasses tomber à la belle fougère en mettant Thérèse par terre. Hier après-midi, tu as fait saigner Marie-Anne deux fois. Tu sais qu'elle est sensible du nez. Jonathan, moi, il veut plus te voir, On a été chanceux qu'il se casse pas les deux palettes dans l'avant avec ton histoire de Superman qui vole en bas du deuxième. Philippe Emmanuel, c'est un vrai petit trou de cul. Cette scène-là sert surtout à nous démontrer que Fanny est une enfant avec beaucoup de caractère. Ah! La grand-mère trouve finalement l'adresse de Jean-Claude dans l'annuaire, puis ils vont sonner chez lui, mais ça répond pas. C'est pas étonnant, il doit être le lendemain de veille, notre beau Jean-Claude. Ils vont sonner chez la voisine d'en bas, et si tu cette madame-là est toujours dans sa porte. Attendez une minute. Charles! Charles, ta mère! Wow, tu cours magnifiquement, mon Charles! Il aurait sonné chez Monsieur Parentot? Pourquoi il répondrait plus au petit gars qu'à sa propre tante? Salut! Fanny jusqu'à date, elle est pas trop impressionnée par les petits gars de Québec. Fait qu'elle se méfie de Charles. Finalement, Jean-Claude est réveillé, mais il entend pas parce qu'il a ses écouteurs ses oreilles, en plus d'une guinée sa tête. Je vous l'avais dit qu'il était hangover. Charles, le vrai petit génie, se colle la face dans le vide pour voir si Jean-Claude est là. Es-tu fou, Charles? Hey, deuxième fois qu'il parle en 24 heures. c'est vraiment un homme nouveau depuis qu'il est en congé. T'as mon Quel enfant creepy. Jean-Claude, je suis venu te demander de t'occuper de Fanny. Je rentre à l'hospice la semaine prochaine. Elle s'en va à l'hospice Genre à la maison des fous Mais ben non, ce sofa-là. Il y a quelque chose, moi, dans les divans-lits qui m'a toujours rendu nostalgique. Genre, c'est tellement pas confortable, mais à chaque fois que je dors là-dessus, j'ai l'impression d'être en visite chez quelqu'un, même dans ma propre maison. Botine Botine c'est moi qui l'ai prise, cette photo-là. Attends. Tu l'aimais beaucoup, papa, hein? Ben pourquoi vous vous êtes chicané d'abord? de grande personne. Le sous-texte ici, c'est que Jean-Claude était clairement amoureux de la mère de Fanny et c'est pour ça qu'il avait coupé les ponts avec son frère. Il a même fait agrandir cette photo-là. Puis, checkez-lui le regard. C'est un détail quand même assez important qui va nous aider à comprendre toute la psychologie de Jean-Claude plus tard. Ben oui, je suis aussi capable d'en dire des affaires sérieuses. Si je suis content. Et puis je te promets que tu seras plus longtemps toute seule. Je vais trouver une famille, là. une vraie famille. Fanny est bien trop adorable. Moi, je l'aurais adoptée le lendemain matin. Dans la nuit, on rencontre finalement le personnage de Bottine, la moufette apprivoisée de Fanny qu'elle a transportée en cachette. On lui dira pas tout de suite que t'es là. Fun fact j'ai appris dans mes recherches que la première moufette qu'ils ont pris pour jouer Bottine est morte après une seule journée de tournage. Fait qu'ils ont dû la remplacer bien vite par après. On dirait que ça brise un peu la magie du film. La pauvre moufette, qu'est-ce qui est arrivé Je me demande après ça aussi quel genre de conditions il y avait pour tous les animaux de ce plateau de tournage-là. Le petit son du bec rajouté. C'est pas ça qu'il fait, pas tout à hein? fait. Do, si, do, la, la, sol, la, fa, do, si, do, la, 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 la. Ils vont dire plus tard que la moufette est opérée, mais on dirait que dans cette scène-là, elle s'en va clairement pisser sur le sofa. C'est pratique pareil d'avoir un enfant à ta charge, tu peux la faire pelleter tes marches pendant que tu joues de l'orgue. Enlève tes bottes, hein. Les enlever. Chaque plat de la moufette est accompagné d'une clarinette basse pour montrer le côté loufoque. Puis une fois que tu le remarques, ça devient plutôt insupportable. Fact de rien. Je vois rien. Hein? Oh non, c'est correct. C'est parti. Dans la salle de bain le soir, Fanny arrive à entendre la mère de Charles qui lui donne son bain. As-tu dit le petit bout de la bisoune? La, bisoune c'est -ce en fait? weird, pareil, les vieux appartements qui ont une fenêtre qui communiquent avec les autres logements. Une des choses que Liv m'aura appris, c'est que ça s'appelle un vasistas. Me semble que dans le film Léolo aussi, il y a de quoi avec la fenêtre dans la chambre de bain. Un jour, on va vous faire une analyse de Léolo aussi. Quel film complètement mmh. fucked up! Joue-tu d'autres choses aussi des fois à part du Jean-Sébastien Bach? En JC, j'ai joué du Emerson Legend Palmer. J'ai joué Tarkus. Jean-Sébastien Bach, le plus grand musicien au monde. Pour vrai, Jean-Claude, je connais sûrement moins de classiques que toi, mais il me semble que Beethoven est meilleur, non? Hey, je voulais tu dire qu'elle est adorable, cet enfant-là. Tu aurais pu devenir un vrai pianiste. Ouais, il n'est jamais trop tard, tu sais. Tu es bien trop vieux. Ah, oublie ça. C'était l'air de maman. Tu le connaissais. Pff, oui. Alors, tu sais, dans quelques mois, je vais participer à un concours. Un concours d'orgue. C'est quoi le prix? Un voyage de six mois en Europe, puis des concerts dans plusieurs villes. Je veux jamais allé en Europe. Mon père tirait Et on partirait quand? Non, Fanny, dis pas de sottises. Tu sais bien que je peux pas t'amener avec moi. Pourquoi? Ben, la tournée, les pitounes, la dope, ça joue rough dans le monde de l'organe. C'est pas une place pour un enfant, voyons. Toi, t'as besoin d'une vraie famille. Puis j'ai promis à ta grand-mère de t'en trouver une. C'est pas ça que la grand-mère t'a demandé. Fanny tente de prouver à Jean-Claude qu'elle est autonome en mettant le feu à la cuisine puis en pétant le Nutella. <tousse> Quel move cool! Jean-Claude pousse un cri de la mort quand il manque de piler sa moufette. <tousse> <tousse> ah! Toi, mets-moi cette affaire-là dehors tout de suite! Si Bottine s'en va, je m'en vais aussi. Vous êtes pas pour jeter une petite fille dans la rue, l'hiver. C'est pas ça qu'il veut, en fait, qu'elle s'en aille. Toi, là, t'es Il a pas dit ça, mais il aurait dû. Jean-Claude rencontre alors un travailleur social joué par le gars qui faisait E-Gone dans Ghostbusters pour trouver une famille à Fanny. Mais déjà, on sent l'hésitement dans sa voix. Pour le moment, on peut toujours la placer en institution. Non. Moi, j'ai passé toute mon enfance dans un orphelinat. Il y en est pas question. Alors Jean-Claude envoie Fanny vivre dans le hangar avec sa mouffette. Non, c'est pas vrai, juste la moufette. Moi, ouais, je les raides? Fanny, ça fait trois nuits qu'elle m'empêche de dormir. Si ça fait trois jours qu'il dort pas, pourquoi il s'en est pas rendu compte avant d'abord? Il vient peut-être d'allumer que les petits becs mouillés qu'il recevait dans la nuit, c'était pas Bérénice qui venait le voir dans ses rêves. Le lendemain, Jean-Claude change son setup d'orgue pour faire de la place au Divan Lit. C'est déjà le début des concessions pour inclure Fanny dans sa vie et réduire la place que prend la musique. Qu ce qui est? C'est une camarade de bureau. Comment qu'elle s'appelle? Bérénice. C'est vrai que c'est bâtard comme non Bérénice, t'as le droit de rire Fanny. Plus tard, Fanny a du mal à trouver sa moufette dans le fouillé du hangar. Elle décide donc de faire de la place à sa manière. Elle est folle. Pas sûr que Jean-Claude va apprécier que tu pitches ses affaires en bas du balcon. Tu t'arranges pour te faire placer ma petite vache. Bérénice vient visiter Jean-Claude, mais c'est Fanny qui répond et elle s'incruste dans leur discussion, ajoutant au malaise déjà assez présent entre les deux adultes maladroits. Non, non, non. Non, elle est apprivoisée. Viens, ma belle bottine. Jean-Claude dit que le sac à moufette est apprivoisé. Bérénice voit les deux bustes côte à côte, décidément c'est pas aujourd'hui qu'ils vont se frencher. Euh, je voulais vous inviter pour le réveillon. Euh... Pour le quoi Je voulais vous inviter pour le réveillon. Euh... Bérénice invite Jean-Claude pour le réveillon, mais il décline à contre parce qu'il peut pas laisser Fanny seule à Noël. Fanny sent bien qu'elle est trop. Mais pourquoi il aurait pas pu aller chez Bérénice avec elle Fanny s'intègre quand même bien parmi les adultes, je suis certain qu'elle aurait eu du fun pareil. Ça reste imparti là. Jean-Claude lui promet tout de même qu'ils vont se faire un beau réveillon. Avec quoi Du bac Comme il y a rien qui sonne plus réveillon que des morceaux de pieuvre dans des bacs, Jean-Claude amène Fanny à la poissonnerie. Ah, oh, mais ça, c'est bon, ça, c'est un bar noir. Jean-Claude commande deux homards à Marcel Leboeuf, puis Fanny se fait pincer par sa propre curiosité. Avec ça, la petite, là! Il donne de la marde aux pauvres commis de la poissonnerie, signe qui est de plus en plus protecteur de sa nièce. Pensez donc par les attacher vos morts. oui, je sais. arrêtez de tomber sur le dos des enfants. Est-ce que vous trouvez vous aussi que le jeune Marcel Leboeuf ressemble au comédien américain Steve Buscemi? C'est tout, je trouve pas de gag là-dessus. Ah oui, j'en ai un. Imaginez-vous Marcel Leboeuf se faire décapiter par une déchiqueteuse à bois, telle une vulgaire branche de noisetier, et voilà. À leur retour, ils surprennent Charles qui est en train de réaménager l'angar pour la moufette de Fanny. Geste qui la touche, évidemment. Ah, qu'est-ce que c'est ça C'est un réveillon, des huîtres, des homards. Vous allez manger ça. Ça goûte ce que ça sent. Une des affaires que j'aime le plus dans les comptes pour tous, c'est la manière de parler des enfants qui sont, disons, très habitants ou anciens, genre... Ouais, Pierre, tu veux d'avoir une nouvelle voisine Allô Embarques-tu? Marche, ça déniaise. Ils se parlent comme des vieux de région. Souvent, je compare ça au PFK Kid dans le film de Falardo Peace Fait que si tu gagnais bah, un million, là. un bicycle à lui, un bonjour à toi, un autre char à lui. J'ai une maison à lui, j'ai une maison à toi. Aujourd'hui, on voit plus jamais ça à la TV. Les jeunes de Ramdam, mettons, ils parlent pas de même pantoute. Je te comprends pas, la natation, c'est tellement un beau sport. Pareil que c'est plus complet. Automatique, et puis c'est un dessus où il y a le moins de blessures. Mm, on peut pas en dire autant du hockey. Arrête, le, le hockey c'est un super de beau sport aussi. Ça part pas! Tiens, essaye avec ça. Je te gâche que c'est une des, des deux soeurs, ça! Deux folles! Hé, hey, luc on devrait se plaindre à nos parents, comme ça. Elle vont retirer la main de ces filles-là, et on serait débarrassés. Ça fait plus réaliste. On dirait même quand le jeu d'acteur est moyen, on dirait des vrais enfants qui discutent. Je pensais que les homards rouge. rouges. Ben attends, je vais les faire bouillir. Hein. Les faire bouillir. Le mien, je le mange pas. Ben voyons, Fanny. Sais ce que je fais, Coco. et hey, comment tu peux dire non à un sourire pareil Après le souper, c'est la distribution de cadeaux. Fanny donne à Jean-Claude un dessin qui exprime assez clairement ses sentiments, mais Jean-Claude a une réaction super plate puis il comprend rien pantoute tout tellement il est stupide. C'est très beau. On dirait une carte de la Saint-Valentin. Pire encore, il offre par la suite son cadeau, qui est si impersonnel et déprimant, une vulgaire paire de gants trop grande. Jamais été bien fort dans le linge pour enfant. C'est l'affront final lorsqu'il la qualifie d'enfant, elle qui est émotionnellement beaucoup plus mature que lui. suis pas un enfant! Elle dehors et regarde avec envie le réveillon de Charles et sa famille. Je savais qu'elle aurait eu plus de fun dans un vrai parti avec d'autres monde que juste Monsieur Platitude. Ils finissent par manger leur repas de Noël dans le silence total, lui avec ses fruits de mer, elle avec sa toast au beurre de Pinote parce qu'elle voulait pas tuer son homme. Le bruit du parti d'en bas accentue le malaise entre les deux. Ils vont rendre visite à la grand-mère de Fanny dans son hospice, rempli de gens extrêmement décédés aujourd'hui. De quoi au juste elle est malade ou juste vieille? Puis pourquoi elle est pas dans un hôpital, c'est si malade? Se sentant plutôt seul chez son oncle de merde, Fanny décide de ramener quelques amis à la maison. Et sur le chemin du retour, Jean-Claude est assis à côté d'un monsieur très cliché qui, au générique, est tout simplement crédité comme mexicain dans l'autobus. À la maison, Jean-Claude continue d'être un vrai trou de cul avec Fanny. Puis il parle encore qu'elle va aller dans une autre famille bientôt. Je suis pas une famille moi hein. Je vis seul et même si je voulais le garder, je peux pas. C'est la loi. Je m'en fiche de la loi. Ça fait deux fois qu'il dit ça, une personne habitant seule peut pas s'occuper d'un enfant selon la loi. Mais pourquoi la grand-mère a pu le faire pendant genre sept ans Puis aussi pourquoi Jean-Claude s'est pas informé de qui allait s'occuper de sa nièce après la mort de son frère Puis pourquoi il est pas allé au funérail non plus Qu'est-ce mange -marde pareil? Plus tard, Fanny et Charles sont en train de transformer leur hangar en vrai zoo de grimbé. Qu'est-ce que mes cousins m'ont donné? Trop nono pour te rendre compte que c'est même pas une poule. C'est pas une poule, c'est un coq. Puis après, les coqs pondent pas les œufs. Après un échange très coloré sur la poule à Charles, Fanny lui avoue qu'elle ne connaît pas la ville et il décide de lui montrer Québec. S'ensuit un vidéoclip de Michel Rivard et Fabienne Thibault sur des magnifiques images du vieux Québec de 86. Oh, je vous l'ai dit que ça me faisait plaisir. Mais oui, c'est fatiguant Jean-Claude Fanot ta gueule. Alors que Jean-Claude et Bérénice cherchent Fanny, ils croisent le père de Charles qui est clairement un alcoolique qui bat son kid. Charles! 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 Qu'est-ce que ma rallonge fait là? Hey relax avec ta rallonge le gros! T'es pas trop menaçant avec ton côte des lions de Noranda non plus! Charles! Fanny! Quand les enfants reviennent, Jean-Claude tente d'imiter l'autorité du père chauve de Charles avec si peu de crédibilité. La rallonge, c'est pour ma voiture. C'est pas pour chauffer, voisin. Jean-Sébastien Bach, c'est un compositeur de musique. C'est pas un gardien du zoo. bérénice emmène Fanny magasiner sous la demande de Jean-Claude, on dirait. Dans le coin restaurant, Fanny demande des questions très personnelles en mangeant des frites. Tu t'es déjà marié? Ça a duré longtemps. Puis il est parti. Tu le connais depuis quand, Jean-Claude? L'aimes-tu? Lorsqu'elle revient, Fanny a pas trouvé de linge, mais elle a trouvé des poissons. Cool, d'autres bibites. Fanny, tu dois dire vous à Bérénice. Non, 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 c'est moi qui lui ai demandé. On pourrait peut-être faire la même chose. Bérénice demande enfin à Jean-Claude d'arrêter de la vouvoyer après quatre ans. Une grande étape vient d'être franchie dans leur relation. Toute contente, Fanny vient montrer à Bérénice son rubicube familial où elle a ajouté fièrement Jean-Claude dessus. Mais malheureusement, elle a découpé la fameuse photo agrandie chez Jean Coutu. Où est-ce que t'as pris ça? Dans ton album? Jean-Claude pète un solide plomb sans réaliser encore une fois la raison du pourquoi Fanny a fait ça. Et hey, puis pour vrai, là, c'est un agrandissement d'une photo dont il possède l'original encore. T'as juste à retourner la à agrandir, assiste d'imbécile. Ça me fait penser à quand j'avais découpé les pages d'un livre de partition de Pink Floyd à mon père qui datait de 1975 pour après ça les coller dans mon agenda de secondaire 1. Aujourd'hui, il est à moi ce livre-là, pis qu'est-ce que je me trouve épais de l'avoir massacré de même? va dans en cuisine. Ça a pas le même impact que votant dans ta chambre, hein. Ils sont dans sa supposée chambre. C'est comme en rajouter une couche sur le fait que Fanny a pas vraiment de maison à elle. J'arrive quand même à comprendre un peu le struggle de Jean-Claude. Il désire poursuivre son rêve musical mais il est confronté toujours et de façon très flagrante à la réalité de la vie et de ce que serait la bonne chose à faire. Toutes les actions de Fanny et ses paroles sont une preuve d'amour envers lui, puis lui il est incapable d'y rendre. Il se voit aussi échouer lamentablement en tant qu'humain aux yeux de Bérénice. Charles amène un chien dans l'angar. Ça c'est exagéré Charles, tu peux pas garder un gros chien de même enfermé dans une cabane d'or. Je vu un chien aussi lié. Fanny est de mauvais poil parce que le travailleur social moustachieux est venu la rencontrer Puis le projet de Jean-Claude de la chipper à une famille semble de plus en plus concrétisé. Ah, euh, Oubliez pas de l'inscrire à l'école. Ah oui oui, je m'en occupe. Jean-Claude doit en attendant inscrire Fanny à l'école et l'idée de l'avoir à la maison vide dans la journée lui plaît beaucoup. Par contre, le repos est de courte durée parce que dès qu'elle revient de l'école, Fanny débarque avec ses nouveaux amis pour faire leurs devoirs. J'ai vu Julie, tu sais avec la grosse une bouton là, oh, Madeleine? Puis, tu sais, Julie, tu as bien les encroches, puis on te dit pas. Et là, là, ça jouait rough dans le cours d'école dans le temps. Dans les amis de Fanny, on retrouve la jeune Maryse Cartwright qui jouait le rôle de Lucie Tremblay dans la guerre des Tucs. Pas de je dit, je Faut croire que le casting de cet enfant-là, c'est de porter un manteau d'hiver. Oh non, pas encore. Jean-Claude fait peur aux amis de Fanny avec la musique de l'Exorciste, fait qu'elle fait mettre ses écouteurs. Je prépare son concours. Lui aussi Et oui. Comment ça, lui aussi Qui d'autre est-ce que le père de cette fille-là participe au concours d'orgue lui aussi? Plus tard, les enfants font un show de bulles à Jean-Claude pendant qu'il écoute sa musique. Quand il réalise qu'il est pas dans un trip d'acide, il chiscale Fanny encore une fois puis il renvoie ses amis chez eux. T'aurais pu être plus poli? plutôt toi, t'aurais pu être moins énervé. Énervé. Faire des bulles en cachette, c'est assez tranquille comme activité, je te dirais. Les journées avancent et la présence de Fanny se fait de plus en plus sentir dans la vie de Jean-Claude. Et il semble y prendre goût. Elle prend soin de lui quand il est malade, il lui lance du spaghetti quand elle parle au téléphone, puis il l'aide dans ses devoirs. Voyez-vous aussi la dualité maintenant avec les posters de Beethoven et de Corey Hart dans la même pièce? Arrive éventuellement la fameuse scène du duo dans le bain où Fanny chante du Edith Butler avec Charles à travers le Vassistas. J'ai du grand ami, j'ai du grand paille, j'ai de l'oranger, j'ai du trill, j'ai du rigoler, Pourquoi une enfant de 10 ans en 1986 chante une vieille trade de 1976 J'imagine que c'est une chanson qu'elle et Charles ont dû apprendre à l'école. Comme moi quand j'étais jeune, on apprenait sur la route de Berthier. Jean-Claude semble vouloir aller lui dire de se fermer la trappe, mais il peut pas s'empêcher, lui non plus, de trouver sa bonne humeur contagieuse et, et ne peut se résigner à briser l'enthousiasme de cet enfant-là. On va t'avoir à l'usure, mon tabarnak. Un matin, Fanny demande à Jean-Claude d'aller une rencontre de parents pour sa classe neige, puis il chigne. Fanny lui donne alors une leçon à propos de son fameux bac, puis il a l'air d'un vrai con. Ton monsieur bac, il y en avait des enfants, lui. C'est tu combien 20 enfants. Puis ça ne l'empêchait pas de jouer sa musique, puis de s'occuper d'eux. Pour vrai, ça m'arrache à quel point Fanny veut juste un peu d'amour de la part de Jean-Claude. Puis lui, des fois, il la traite comme le petit gars qui déblaise ses marches. Le soir à la rencontre, Jean-Claude voit Bérénice qui s'est faite aussi demander de venir par Fanny. Les deux prennent ça comme une genre de manigance de la part de Fanny pour faire un rendez-vous inattendu. Mais moi, je pense sincèrement que Fanny était comme « Pour vrai, je pense qu'il viendra pas. Je suis mieux de demander à la seule adulte dans ma vie qui fait du sens en ce moment. » Une fois de retour chez lui, Jean-Claude a un deep talk avec Fanny. Et elle comprend alors qu'il était amoureux de sa mère, mais qu'il n'y a jamais dit. Elle l'encourage à ne pas refaire la même erreur avec Berenice et lui avouer ses sentiments. Je vous l'avais dit, cet enfant-là est pas mal plus intelligente que lui côté émotion. Est-ce que notre chum JC va comprendre la leçon cette fois-ci? Et là-là, aucun nom non! Pendant un doux moment de complicité au déjeuner, le méchant monsieur des services sociaux appelle et Fanny est en beau maudit avec sa moustache de Nutella. Hey! Ça, il faisait une surprise. Il changerait peut-être d'idée? Puis Charles et Fanny décident de faire une surprise à Jean-Claude pour le convaincre de la garder chez lui. Leur idée Un souper de pizza dans ferme à Maturin quand il fait moins 30. Jean-Claude prévient d'ailleurs les enfants de bien fermer la porte du hangar pour la nuit parce qu'il annonce Fred que le crisse. Et c'est là que Fanny a un drôle de regard. Le lendemain, Jean-Claude se fait réveiller par le coq, comme d'habitude, mais le bruit semble venir de bien plus proche. Il se lève et, comme de fait, les animaux sont en cuisine puis ils ont chié partout. tout nettoyé. C'est le bout de la merde, littéralement, et c'est pas mal le clou dans le cercueil pour Jean-Claude. Fanny lui explique pourquoi elle a besoin d'autant d'animaux, puis sa réponse est aussi déchirante que son visage en larmes. Peux-tu juste m'expliquer pourquoi t'as besoin de tant d'animaux? Parce que je les aime! C'est parce qu'ils se laissent aimer eux autres! Dans un moment ultra dramatique, on a l'impression que Fanny quitte pour sa nouvelle famille, mais non, finalement, c'est rien que la classe neige. Jean-Claude reste même pas pour la regarder partir comme les autres parents. La classe neige se passe dans Charlevoix, puis en regardant la scène, je me disais, ⁇ Hey, on dirait vraiment que c'est l'endroit où ils ont tourné la guerre des Tucs deux ans avant. ⁇ Soudainement, qui c'est qui surgit du bois Nul autre que Tiggy la Lune qui vient être weird encore une fois dans un petit caméo intrigant. C'est un moqueur. Un moqueur polyglotte. C'est beau, hein. Pour ceux qui ont pas vu la guerre des Tucs, Tigui la Lune est un personnage mémorable et mystérieux qui semble errer dans la forêt en raquette tout le temps. On a déjà un espion. Ah, oh, c'est Tigui la Lune. Il est pas dans la gang de Luc. Il est dans aucune gang. Allô? Où c'est que tu vas? Nulle part. Je me promène. C'est beau, hein? C'est peut-être un fait vraiment connu, mais moi, j'avais sincèrement aucun souvenir de ça. Faut croire que le André Melançon Verse était en pleine expansion à cette époque-là. De son côté, Jean-Claude tente de comprendre le casse-tête de sa vie, puis ça a pas l'air facile. Il semble s'ennuyer de Fanny puis trouver la maison vide, mais le déclic se fait pas encore dans sa petite tête d'eau. Mon beau Jean-Claude. Je vais bien et j'espère que toi aussi. Fanny en classe neige lui écrit une lettre fucking cute puis crève cœur. Sérieusement, si ça ça fait pas changer d'idée, c'est une cause perdue Fanny J'espère que tu n'es plus fâchée à cause des animaux. « C'est vrai quand tu dis qu'il y en a beaucoup. Je les aime beaucoup. Mais c'est toi que j'aime le mieux. Je pourrais les donner en revenant. Même Bottine, je pourrais la donner. Je n'envoie pas la lettre parce que nous revenons demain. » Elle revient de Charlevoix par elle-même et tente de lui donner sa lettre, mais Hitler lui-même l'attend dans le salon. « Tu vas avoir une maman, un papa, deux frères et puis même une petite soeur. Ils ont très hâte de te rencontrer. Ils demeurent pas tellement loin d'ici. Au début... » « Tu vas y aller quelques heures seulement, puis tu reviendras chez ton oncle. » Mais Déric Ménard continue de décrire à Fanny sa nouvelle famille pendant qu'elle vit un véritable breakdown en regardant son oncle et elle déchire sa lettre. Jean-Claude, dans lui, tente de reconstruire la lettre, mais ça fait aucun sens. « Ma m'appelle Fanny. »« Tu dormais trop bien, j'ai pas voulu te réveiller. »« Je suis parti pour mon concours. »« J'aimerais beaucoup que tu viennes. »« Bérénice va passer te chercher. » Le lendemain, Fanny se réveille et Jean-Claude lui a écrit une lettre à son tour qui fait juste dire Peux-tu venir à mon concours, please? Va falloir que quelqu'un dise là parce qu'il comprend pas. Bérénice amène finalement Fanny au putain de concours d'orgue et Jean-Claude est bien content de les voir. Hey! Félicitations, man, tu le mérites! Oh, Rock de merce! Here I come! Oh, here oh. I come. Oh! Quatrième concurrent, Jean-Claude Parenteau Rendu autour à Jean-Claude, il s'exécute et il est dans la zone. Les juges apprécient la performance, mais Fanny est un press Ce bout-là, c'est peut-être un des seuls bouts que le livre m'a été utile pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Fanny connaît la pièce par cœur. Jean-Claude l'a massacré si souvent. Mais aujourd'hui, c'est tout simplement magnifique. Il joue bien comme il n'a jamais osé le rêver. Alors Fanny comprend qu'elle a perdu sur toute la ligne. Il se débarrasse d'elle et il deviendra un vrai musicien. Les larmes lui montent aux yeux d'un coup. Le cœur va lui éclater incapable de rester là plus longtemps, Fanny quitte son banc sans que Bérénice ait le temps de la retenir. Fait que le fait qu'il réussit à jouer la pièce à la perfection fait en sorte que comme si pour Fanny, elle perdait face à la musique, puis elle allait gagner le concours, puis elle allait aller en Europe, puis il pourra pas s'occuper d'elle. Confiant, Jean-Claude jette un regard dans la salle et l'aperçoit qui s'éloigne, petite silhouette vaincue et rejetée. Le cœur grand ouvert à cause de sa musique, il peut enfin ressentir toute la détresse de l'enfant. Et elle est si grande qu'elle le submerge complètement. D'instinct, il laisse tomber le concert et, dans les tonalités de Bach, lui joue juste pour elle, l'air préféré de sa mère. Elle va comprendre, c'est leur code secret, leur musique rien que pour eux. Conscient de perdre toutes ses chances au concours qu'il a tant préparé, Jean-Claude librement joue un hymne d'amour à Fanny. J'avais même pas remarqué qu'il jouait la toune à sa mère, je pensais juste que sa performance commençait à chirer d'un coin. Déjà au bout de l'allée, elle reconnaît la mélodie du souvenir. C'est comme si Jean-Claude se décidait à lui dire Fanny, je t'aime. Mais elle ne le croit plus, c'est trop tard. Les yeux pleins d'eau, elle se mord les lèvres et marmonne avec désespoir, des sanglots dans la voix. Jean-Claude, le cœur brisé, la voix disparaître. C'est trop tard. Trop tard pour tout. Alors, se foutant totalement du concours, il joue la mélodie au complet comme un adieu à l'amour d'autrefois qu'il n'a jamais avoué. Aux amours d'aujourd'hui qu'il n'a pas su voir. C'est bon se ce livre-là finalement. Après sa performance, Bérénice va voir Jean-Claude, qui est en train de mettre ses bottes en beau Chris. Est-ce qu'il aurait enfin compris J'ai jamais rien compris. J'ai jamais compris que je courais après des mirages puis que je passe à côté de la vraie vie. J'ai pas été capable de dire. J'ai pas été capable de dire que j'avais plus envie qu'elle parte. je trouve la maison tellement vide quand t'es pas là. J'ai pas été capable de dire que je l'aime. Jamais été capable de dire, j'aime. J'ai jamais appris à lire. J'ai pas été capable de dire que je l'aime. Jamais été capable de dire, j'aime. Même à toi, j'ai pas été capable de dire. Va chercher un petit dépain. S'il vous plaît. Hey, toi, Louis-Georges Girard, ta gueule, mon chum Jean-Claude, t'as à avoir une épiphanie. Ce qui me force le plus là-dedans, c'est que me semble, il a vraiment eu plusieurs occasions de dire qu'il l'aimait, pis d'empêcher qu'elle soit envoyée dans une famille. Ça ne demandait pas nécessairement de tout mettre en pause pour s'occuper de juste Fanny. S'il avait fait les bons choix, il aurait très bien pu faire son concours, l'esprit tranquille, avec Fanny pis Bérénice d'un gradin pour le supporter. Ah, si, niaiseux! Là, il a scrapé son concours et sa relation avec Fanny, puis il se retrouve devant Fuck-All! Pour Fanny, le mal est fait. Le zoo s'est transformé en pet shop et elle donne tous les animaux, même la poule à Charles. nous aussi, tu la donneras? Non, tu me bosses. J'ai trouvé l'adresse. On ne donne plus rien, je t'ai dit. Maudit de vie. Ben oui, je te file mon Charles. Pendant ce temps-là, Jean-Claude lui préfère se morfondre dans le parc plutôt que de la rattraper. Décidément, cet homme-là sera un vrai dommé jusqu'au bout. Ça Vous avez réussi! Oh, c'est la première fois qu'on voit le visage de Bottine aussi bien. Plus tard, Fanny soupe dans sa nouvelle famille qui semble fucking drole. Personne parle, il n'y a pas de musique, c'est tellement lourd. Puis comment c'est censé marcher tout ça? Elle devait aller dans cette famille-là la semaine suivante, puis pour quelques jours seulement au début. Elle peut pas juste débarquer de même, me semble. Elle regarde ses nouveaux frères, puis on dirait qu'ils vivent sous un régime de terreur. Ça aurait été un vraiment bon punch qu'elle se retrouve dans la famille du petit lait frisé du début, Philippe Emmanuel. J'aimerais Même la bouffe qui mange a l'air nul à chier. On dirait juste des légumes bouillis. Ah, la mère voulait-tu parler? Non, c'est beau. Jean-Claude arrive finalement comme un cheveu d'un légume vapeur. Il demande à Fanny de revenir, mais elle se moque de lui en chantant sa maudite toune de bac. <t 'en> Et il quitte à nouveau sans lui dire qu'il l'aime. Je comprends que c'est déjà assez gros comme move pour Jean-Claude lui demander de revenir comme ça devant des étrangers, mais clairement que Fanny attend quelque chose de sa part. Trois petits mots bien simples. C'est simplement après qu'il soit sorti que Fanny craque. Jean-Claude! À son mari qu'elle qu préférait vivre avec un bloc de glace comme Jean-Claude que cette famille-là. Jean-Claude a fini par me trouver une vraie famille. Et il a convaincu Bérénice que notre logement est assez grand pour trois personnes, pour un orgue, pour une moufette et pour quelques autres animaux pas trop matinaux. Dans la scène finale, tout est bien qui finit bien. Fanny a enfin une vraie famille avec Jean-Claude, Bérénice et Bottine. J'aurais aimé ça voir un dénouement où on voit Jean-Claude s'ouvrir pour de vrai à Fanny plutôt que rester dans le non dit. Mais en même temps, c'est beaucoup plus réaliste comme ça. Il va au fil du temps apprendre à exprimer ses émotions et à devenir un humain décent. C'est une blague de grossesse. Est-ce que Fanny attend un petit frère Puis le film finit avec une face de Charles écrasée dans le vide avec un casque ridicule sur la tête. Le générique, c'est un long plan fixe de Fanny qui tient bottine et qui fixe la caméra vraiment longtemps. Tu... Je sais pas si c'est le sourire de Fanny ou la musique mais je broie encore à ce moment-là. J'aime que Fanny précise que Jean-Claude se faire de la place pour Bérénice, Fanny, les animaux et son orgue. C'est important que la morale ça soit pas de sacrifier ses passions pour les enfants, même si on dirait que c'est débarrassé de ses vinyles puis de son système de son. Puis je me demande finalement s'il est retourné à son bureau de comptable. Ça va être poche pareil de retourner à ton travail de bureau après avoir tout lâché pour faire de la musique. Tu croises tes collègues de bureau la première semaine puis sont comme Pis? ça a pas marché les concours d'orgue? Ah, c'est belle valeur. Ah ouais, puis la grand-mère, elle, est-tu morte? En faisant mes recherches, j'ai trouvé que ma paiement a déjà parlé d'une possibilité d'une suite à Back et Bottine. Genre quoi? Back in Bottine, Back to Bottine, Back et Bottine 2, to Back to Button. Voyons voir, cet article-là date de 2014. Et en 2016. Puis en 2021. Pense pas qu'il y en aura d'autres. Et voilà, c'est ce qui conclut mon exposé oral d'aujourd'hui. Merci, madame la professeure. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir plein d'autres idées délirantes comme ça. Ok, peace out!